Salut, donc je suis tellement contente de vous retrouver dans cette vidéo, j'avais tellement hâte de la faire, mais alors tellement hâte. On se retrouve pour les swatches et le make-up de cette beauté, cette merveille. Ah, j'étais tombée amoureuse rien qu'en voyant, après la Tamie Tropical Carnival, j'en suis déjà dingue, mais alors celle-ci, oh là 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 là. Il y a des petites pépites à l'intérieur. Je peux vous le garantir, rien qu'avec les swatchs, rien qu'avec les photos, j'étais déjà amoureuse, mais avec les swatchs, c'est encore pire, et je pense qu'à l'utilisation, ça va être encore mieux. Vous pouvez voir qu'elle est super pigmentée, puisque ça fait 3 fois que je lave mes mains avec une lingette, et que j'ai toujours du fard dessus. Enfin, mes doigts sont colorés. Bref. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire les swatchs, puisque c'est un swatch et le make-up, et je vais vous faire 3 make-up. Voilà, quand c'est des grandes palettes, j'aime bien en faire plusieurs pour avoir vraiment plus de possibilités pour vous après. On va faire le premier make-up, donc celui qui va arriver aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, le premier que vous allez voir. En se concentrant sur les 2 rangées de nude, puisque en fait la palette c'est une rangée de nude matte, une rangée de glowy nude aussi, enfin de lumineux, il y a des paillettes, des métalliques et tout ça. Une rangée de colorés mat et une rangée de pailletés scintillants, irisés, colorés aussi. Donc le premier, on va faire avec les 2 premières colonnes dans le nude. Le deuxième, on va faire avec les 2 du bas dans les colorés. Et pour le troisième, on fera un mix de tout. Je vais également faire au minimum un IGTV. Je pense qu'il y en aura plusieurs, mais au minimum un. Et je pense que vous qui sera sorti avant cette vidéo, parce que je pense que je vais pas pouvoir résister à l'envie de publier quelque chose tout de suite. Donc si jamais il a déjà été publié, je vous le mets dans la barre d'infos. De toute façon, vous pouvez aller voir les IGTV même si vous n'avez pas Instagram, mais vous pouvez aussi vous l'installer et vous y inscrire, c'est totalement gratuit et c'est un réseau social que j'aime énormément, je suis très active dessus, du moins j'essaye, et voilà. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Donc moi je vais vous laisser avec les swatchs, je vais me rapprocher pour le premier make-up et je vais mettre ma base et réparer mon petit trou à cause de mes lunettes sur mon nez. Voilà. Ce make-up, on va utiliser la rangée du haut, enfin les 2 rangées du haut qui sont les rangées de nude, entre guillemets, parce que là vous avez quand même un doré très jaune. Les paillettes ici, on va les utiliser, elles sont sublimes. Ici c'est un vert kaki comme ça, enfin voilà. Mais c'est le principe de ça. Bref, alors on va faire un petit smoky. Aujourd'hui, j'ai envie, dans les tons en plus qui sont là, ça va être sympa. Donc, je vais commencer avec le Sundown. J'hésite entre le Sundown et le Horizon. Alors, attendez, je swatch les 2. Vous savez quoi, on va faire un mix des 2. Bon, alors, je prends Horizon, qui est ici, et Sundown, qui est ici. Voilà. Je mixe un peu les 2 teintes et je le mets sur toute ma paupière mobile. Et ça donne une teinte magnifique. Oh, c'est beau. C'est très pigmenté. Alors, par contre, je vois rien. Mon miroir est à 15 km. Je sais pas pourquoi je fais toujours ça. Hein. Oh là là, c'est beau. Oh, que c'est beau. J'adore, j'adore, j'adore. J'aurais pu mettre mon crayon noir aussi pour commencer à... Oh, mais que... Magnifique, hein, cette couleur. Oh là là là. Les 2 teintes, là, mixées ensemble, c'est super beau. Donc je prends un pinceau Jessup 231 et je vais flouter le bord directement. Ça s'estompe tout seul. Oh là là. Alors je vais garder le même pinceau et on va prendre la teinte... J'ai un peu peur que celui-ci fasse une couleur un peu kaki. Oui, regardez, il a une couleur très spéciale. Hein. Quoique...
Il fait un peu sable une fois estompé. Oh là là, j'hésite. Non, bah vous savez quoi, on va prendre le premier puisque le down ici, il est trop foncé pour poudrer mon arcade sourcilière, mais pour dégrader, ça peut être sympa. Et oui. Donc je dégrade la première teinte avec cette teinte-là. Et le mélange des deux donne un petit corail, là. J'aime beaucoup. Bon, après, je sais que je vais aimer cette palette, hein. J'ai aucun doute là-dessus. Petit coup d'estompeur propre pour bien peaufiner tout ça. Donc j'ai poudré mon arcade sourcilière avec le fard de la Gnognotte, puisque bon, c'est celle qui m'est tombée sous la main en premier. J'ai oublié mon fard 4X en bas et le fard que je viens d'utiliser, je ne peux absolument pas poudrer mon arcade sourcilière avec, il est beaucoup trop foncé. Mais comme petite teinte de transition, il est... ça m'attache, ça me patoche. Oh, c'est le retour du sympatoche. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti celle-là. Je reprends mon pinceau plat que j'ai utilisé pour les deux premières teintes et je intensifie ma couleur un peu partout. Oh, c'est magnifique ces deux teintes ensemble. Je fais pareil en racine. Vous voyez, pour du nude, on est pas mal foncé et coloré. Hein. Après, c'est du nude aussi par rapport à la teinte de sa peau. Mais je trouve que c'est le nude de maintenant en fait, hein, tout ce qui est rouge orangé, rose foncé. Petit décladage. Et je reprends le premier fard, le down, pour. Enfin, le premier fard de la palette, je veux dire, pour la transition. Et bien estomper le ratine. Donc je peaufine mon dégradé et je mets mon crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure, parce que oui, je mets du noir, hein, forcément. Et je reviens pour la suite. Je prends un petit pinceau crayon comme ça, donc là c'est un BH cosmétique, et je vais prendre le marron le plus foncé, le coconut. Juste ici, je vais pas tomber la palette parce que alors là je me tue. Hein. Là. Pour foncer un peu le coin externe. Il n'est pas souple mon pinceau, je sais pas ce qu'il a. Et j'en mets également au ras-de-cils puisque mon crayon a bavé. Ça a flouté le crayon que j'ai qui a débordé. Je pense qu'il a mon pinceau et il est pas en forme. Avec le pinceau que j'ai appliqué des teintes rouges, je floute le marron en racine et bien sûr sur le coin externe aussi. Ensuite, je prends ce petit pinceau là de chez Sananas et en coin interne, je vais mettre la teinte. On va prendre le Afterglow pour voir ce que ça donne, qui est un petit rose avec des. Ben, c'est un rose gold en fait, il y a des petites. Micro paillettes dorées dedans à l'intérieur. Trop joli. Oh, il doit bien ressortir si vous faites un make-up super clair, nude, un petit marron léger, là, avec ça en coin interne, ça peut être sympa. Et par-dessus, je vais mettre le glow, du coup, qui est la première teinte ici. Au doigt, je vais prendre les paillettes Firefly, qui sont vertes, holographiques, jaune doré, wow, elles sont canon, franchement, c'est les plus belles paillettes de la palette. Je sais pas si vous voyez bien, ah oh, oui, vous voyez bien le côté holographique. Et je les mets sur ma paupière mobile. Donc il y a déjà un agent liant dedans, il n'y a pas besoin de colle. Oh là là, qu'elles sont belles. On va en mettre un peu plus. Splendide. Canon. Alors il y a une chute. Ouais, deux, trois quoi. Mais en même temps, je suis en train d'en étaler. Je suis pas très intelligente non plus. Donc là, je reprends le pinceau pour dégrader un peu le bord des paillettes pour pas que ça fasse un placard dégueulasse. Mais oh my god, ces paillettes. Elles sont sublimes. Alors, les paillettes, c'est vraiment, c'est des paillettes pressées, hein, mais comme il y a l'agent liant dedans, ça fait un peu comme de la plasticine. Et celui-ci aussi, de la pâte à modeler, que vous dites en France, ils sont super, super crémeux. C'est la nouvelle formule un peu de chez Révolution, j'ai l'impression. J'ai déjà envie de me démaquiller pour me remaquiller, pour tester plus en profondeur cette palette. Bon, je peaufine ça avec liner, mascara, rouge à lèvres, tout ça, et je reviens vous montrer ce que ça donne.
voilà pour le look numéro 1. J'adore. Et sur les yeux bleus, c'est vrai que c'est topissime. Ces teintes un peu rouge, brique, comme ça, je trouve ça tellement beau. Donc, petit détail. Alors, j'ai mis un tout petit trait de liner avec le crayon, avec le feutre, que je ne trouve plus. Là, si, le Ever, le 24 Ever Ink Liner de chez Essence. Faut que je l'utilise, mais j'aime pas parce qu'il file dans mes petites rides de mamie. Et c'est pour faire des gros traits, ça va pas, mais pour juste noircir un peu le ras des cils, c'est très bien. Le Liney de Miracle en une couche sur les cils du haut. J'ai mon pot à bordel qui est juste en dessous des micros, donc j'ai dû vous défoncer les oreilles. Le Glam and Boost, le Glam and Doll Boost de chez Catrice sur les cils du bas. Non, j'ai mis une couche de chaque en fait, du Creutzwaht et du voilà celui-là. J'ai mis les fossiles flotteurs de chez Primark et j'ai mis sur mes lèvres le Dare You. Des petits crayons focalure comme ça que j'adore. Voilà. Et je trouve qu'il va très bien avec la teinte de la paupière mobile. Tous les détails de la palette et tout ça, je vous donnerai à la fin, puisque j'ai oublié de le faire au début. Mais je vous les donnerai à la fin de la vidéo. Donc là, on va tout de suite passer au look. Donc pour ce look numéro 2, avec cette magnifique palette, comme tout à l'heure, on va se concentrer donc sur les deux rangées. Juste ici en dessous, de colorés, donc vous avez une rangée de colorés mat et une rangée de shimmer, pailleté, tout ça, coloré aussi. Donc, celui-là j'ai très envie d'utiliser, hein, le Nightfall, mais je vais le garder pour l'IGTV. Voilà, voilà. Alors je pense que demain on jonglera un peu avec les teintes un peu vertes, enfin demain. Dans le troisième look, donc là je vais utiliser plus le rose mauve. Donc je me rapproche et on attaque donc le make-up avec un pinceau Zoeva 231 et la teinte Tour. Allez, soyons fous, voilà, voilà, c'est la teinte un peu magenta, comme ça j'ai envie de dire. Je vais faire ma forme classique pour pas trop m'embêter, mais ma base arrête pas de filer. Alors, je vais déjà mettre ça dans le coin externe. Mon dieu, qu'est-ce qu'elle est pigmentée cette couleur! Magnifique couleur, vraiment très 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 jolie. Pareil en coin interne, enfin en racine inférieure plutôt, dans la partie externe. Ah, j'ai des chutes. Bien sûr, on estompe le bord déjà pour commencer. Donc on voit bien que question pigmentation, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, avec un pinceau un peu plus fluffy, donc je vais prendre celui-là. Je vais prendre la teinte Sunrise, qui est la teinte orangée. On va pas en prendre de trop, hein, pour dégrader ce rose. Bien sûr, on termine ça avec un coup d'estompeur propre, pour que ce soit bien diffus, bien joli, bien estompé, tout ça. Avec un autre pinceau boule un peu plus petit, donc je prends le Essence, je vais prendre la teinte Dusk, qui est la teinte jaune, que je vais mettre dans le creux interne. Ouh, bien pigmenté ce jaune. Donc je dégrade bien les deux teintes entre elles et le bord, qu'on viendra peaufiner le dégradé avec un pinceau propre après. Super pigmenté ce jaune, c'est rare d'avoir des beaux jaunes comme ça. Donc ici je suis revenue un peu plus loin avec mon rose, mais ça y est, je la vois toute rouge maintenant. Un pinceau comme ça, tout petit, chez Primark, pour dégrader ce jaune. Je prends un pinceau plat, donc c'est un de chez Shell Nash, et je prends la teinte Eclipse, qui est juste ici, la plus foncée, de la dernière rangée. Et je vais le mettre... alors attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre comme... je vais déjà le mettre ici, voir quelle teinte il a. Bon, ça va, en plus comme il est lumineux, donc je le mets sur le reste de ma paupière mobile. Je vais faire le jaune en coin interne en dessous, on va faire ça après. Elle est magnifique cette couleur, oh là là. Enfin, toutes les couleurs sont belles de cette palette, c'est un truc de fou. Voilà, je reprends ce pinceau là pour dégrader le bord ici et un peu dans le creux ici. J'essuie un peu le pinceau et je reprends la teinte True Love pour remettre un peu de rose par-dessus. Je reprends le pinceau jaune et la teinte jaune et je fais déjà mon coin
interne de la paupière mobile, de la paupière, oh, du rat de cils inférieur, je vais y arriver. Et du coup, une fois que j'ai fini mon rat de cils, je dégrade ici le violet foncé, là. C'est un violine, pour avoir sublime. Voilà, avec un petit pinceau langue de chat, comme ça, je prends la teinte Moonlight, et juste ici. Donc c'est un blanc, mais avec des reflets roses, il est juste trop beau. Pour mon coin interne, la logique, il est vraiment sublime. Après, c'est une matière vraiment un peu mousse, donc il est assez dur à prélever, mais sinon, j'en prélève un peu avec l'embout mousse. J'ai juste peur qu'il soit un peu grumeux. Ouh. J'hésite vraiment à mettre les paillettes. Ouais, allez, soyons fous. On va mettre les paillettes. Donc je reprends mon petit pinceau là. Et je prends les Starlight. Donc c'est les premières ici. Je vais essayer de ne pas en prendre de trop pour vraiment les déposer sur le violet foncé. Mais de manière assez diffuse. Elles sont très belles aussi, ces paillettes, hein, mais on les sent presque pas. Elles sont toutes fines. Alors, maintenant, on est bon avec les fards pour le deuxième look. Je ne sais pas si je vais mettre du crayon noir ou du jaune. Je vais mettre le jaune pour que le jaune ici ressorte quand même. Hein ? Oui. On fait ça. Donc je mets tout ça, je vous dis tout après de toute façon, et comme ça je vous montre ce que ça donne. Pour ce deuxième look avec la palette. Alors j'ai mis en muqueuse le pigment pommade, c'est lemon yellow je crois, la teinte, c'est le pigment pommade jaune que j'ai mixé, j'ai mis une goutte de mixing liquide dedans pour mettre en muqueuse et faire le petit trait de liner ici. Le liner noir essence, le liquid ink comme d'habitude. Mascara en une couche sur les cils du haut, I Need a Miracle et les faux cils Primark comme le look d'avant. Sur les cils du bas, Catrice Glam & Dull Boost. Et sur les lèvres, j'ai mis le combo Révolution, crayon et rouge à lèvres liquide mat en teinte Rain, que j'adore. Et voilà, pour essayer de faire ressortir un tout petit peu le orange ici, mais j'ai pas l'impression qu'on le voit des masses, hein. J'aurais dû en mettre un peu plus. Mais voilà, mais j'aime beaucoup ce make-up aussi. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le look numéro 3. Donc comme je vous l'ai dit, sur le troisième look, on va se concentrer plus sur les teintes vertes parce que j'ai envie de vert. Voilà. Tout simplement, donc là, on va mixer un peu toutes les teintes. Je vais commencer par cette teinte-ci, la Morito. Avec un 231 de chez Zoeva. Et je vais le mettre. On va faire une forme assez classique que j'ai l'habitude de faire. Alors je sais pas si c'est moi qui prends un peu moins de fard que d'habitude ou si il est un peu moins pigmenté que les autres. Après ça va, hein. Avec un pinceau un peu plus fluffy, mais c'est un pinceau plat quand même, c'est un chassé, je vais prendre la teinte du coup Sand. Qui est juste ici au-dessus pour dégrader cette couleur là. Et bon, très bien. Et d'ailleurs, je continue mon creux avec cette même teinte là. Bien sûr, on réintensifie un peu le vert. On peaufine le dégradé avec un estompeur propre. Et on fait pareil sur l'autre œil. Sinon, c'est pas de lit. Ensuite, avec un petit pinceau crayon, donc c'est le 230 de chez Jessup, je prends la teinte Nightwalk, qui est d'un vert très foncé, et je vais foncer mon coin externe très légèrement. On n'oublie pas le rat de cils externe. J'estompe avec le pinceau vert.
J'en mets dans le coin interne ici. Et je reprends la teinte Mojito pour dégrader cette couleur là. En haut doigt, je vais prendre la teinte Promises. Oh, quelle texture plasticine. Et je le mets au centre de mon DE. Oh là là, magnifique. Il y a vraiment une texture surprenante ce fard. Avec le pinceau vert, je dégrade les bords. On va prendre la teinte Sunrise, qui est juste ici. Ils ont vraiment une texture collante. Regardez ce que ça fait dans le panne avec le pinceau. Ici. C'est vraiment une texture très particulière, ces fards. Alors, on n'a rien utilisé dans la rangée du dessous. Donc, je vais prendre un tout petit peu du Starry Night, ici. Un tout petit peu sur mon petit doigt. Que je remets par-dessus l'autre. J'aurais peut-être dû faire l'inverse, d'ailleurs. Bon, ça apporte pas grand-chose en plus. Mais ça apporte ça. Par contre, j'ai encore envie d'utiliser les Firefly, les paillettes. Allez. J'en prends vraiment qu'un tout petit peu. Ces paillettes sont tellement belles. Oh, j'adore ces paillettes. Gros coup de cœur pour ces paillettes. Donc voilà ce qui conclut pour les fards de ce make-up aussi. Je vais le peaufiner et je reviens tout de suite vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce qui conclut les make-up avec cette magnifique palette. Oh, je l'adore déjà. Donc j'ai pas encore tourné l'IGTV, vous l'avez eu, je vous l'ai mis dans la barre d'infos. Normalement vous avez peut-être dû voir un petit aperçu dans l'intro de la vidéo, je ne sais pas encore si je vais le mettre ou pas. Voilà. Donc comme j'ai oublié de vous briefer sur la palette au début, on va le faire maintenant. Donc c'est une grande palette, elle est quand même assez grande. Donc par rapport à la 2, voilà. Elle est quand même assez grande. Après, c'est sûr qu'il y avait moins de fards dans celle-ci. Il y en avait 18. Ici, vous en avez 28. Donc, il y en a 10 de plus. La première édition, je ne l'ai pas. Elle ne m'intéresse pas. Même que cette amie, elle ne m'intéresse pas. Donc, packaging en carton, juste magnifique. Oh, le doré holographique, là. Avec les petites étoiles, les petits palmiers et tout ça. Oh, ça invite aux vacances. Donc vous avez 28 fards dedans, il y a également, ils font 1,2 g les fards, c'est très bien. Et il y a également 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 pigments pressés à l'intérieur. Donc vous les voyez derrière, c'est ceux avec la petite étoile, le petit astérix. Normalement vous ne pouvez pas les mettre sur les yeux, les pigments pressés, mais c'est juste qu'ils... Comment ? Ils se mettent à l'abri au cas où... ouvrit une réaction allergique. Donc packaging très fin en carton avec un grand miroir, donc celle qui aime les miroirs seront contentes. Et dedans, comme je vous l'ai dit au début, une rangée de matte nude, une rangée de nude irisé, une rangée de coloré matte et une rangée de coloré irisé avec trois pannes de paillettes avec un agent liant à l'intérieur. Donc ça c'est génial. Là pour l'IGTV, c'est sûr que je vais utiliser au moins celui-là, hein, le Nightfall et le Night Sky. Je ne les ai pas encore utilisés. Le Twilight ici, le violet, je n'ai pas utilisé non plus. Et le Tanned ici qu'on n'a pas utilisé et le Dreams. Je crois que c'est les seuls fards qu'on n'a pas utilisé de la palette. Ah, et le Candlelight ici. Donc voilà, c'est une bonne moyenne. Je trouve que le Mojito est un peu moins pigmenté, donc c'est le vert que j'ai mis en coin externe pour le troisième look là. Il est moins pigmenté que les autres. Après, vous voyez que le rendu est quand même très beau. Hein. Mais il faut insister un peu plus.
Sinon, c'est une très 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 belle palette. Je l'aime déjà. Et alors, les paillettes Firefly, là. Une pépite, ces paillettes sont magnifiques, vraiment magnifiques. Donc, et vous avez donc les trois paillettes et les fards ici irisés, donc ils sont vraiment comme une texture un peu mousse. Ils peuvent être assez compliqués à prélever au pinceau. Je vous conseille le doigt ou un embout mousse, c'est vraiment l'idéal. Après, ça se fait, vous avez bien vu qu'il y en a quelques-uns que j'ai utilisés au pinceau. Donc, voilà. Donc, ben voilà ce qui conclut cette vidéo sur cette palette. Ah, je l'adore déjà. Je l'adore déjà. Je pense que je vais beaucoup l'utiliser. Vous risquez de beaucoup la voir en vidéo ou en IGTV. J'ai, avec celle-ci, avec la 2, un IGTV dans la tête depuis des mois qu'il faut absolument que je vous fasse parce que j'ai pas encore eu le temps. Je pense que je vais le faire cette semaine pour rester dans les collections Tami. Voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à vous dire. Le prix, il est de 21,99 € si je ne dis pas de bêtises, comme les grandes palettes en collab. C'est le même prix que la Patricia Bright, que j'aime tant aussi. Est-ce qu'elle va la détrôner? Je ne sais pas. Je pense que dans mon cœur, elles sont déjà à égalité. Voilà. Parce que je trouve que la Tami est très complète du fait qu'il y a un peu de nude dedans et vous pouvez vous en servir comme teinte de transition. Même si vous aimez les make-up super colorés, vous pouvez vous en servir comme teinte de transition. Si vous aimez nude, vous pouvez vous en servir en nude. Donc elle est vraiment très complète. Il y a un peu de nude aussi dans la Patricia Bright, mais moins. Mais ouais, elles se valent vraiment. J'adore ces deux palettes. Voilà, bref. Donc je vous en reparlerai très prochainement, je pense. De toute façon, elle sera très certainement dans mes prochains favoris. Peut-être pas les tout prochains qui vont sortir là au début du mois prochain, puisque je ne l'aurai pas utilisé assez, mais je pense qu'elle sera dans mes favoris d'après. Donc la semaine prochaine, on se retrouve avec 4 vidéos de suite. Donc ça sera les swatchs et le make-up de ces 4 petites palettes néons de chez Révolution. Voilà, c'est des nouveautés. Et on comparera chacune de ces palettes à celles des Beauty Quest, qui sont les dupes des Huda Beauty, je vous le rappelle. Et on comparera donc les deux à chaque fois. Et j'espère que ça vous plaira. Donc ça sera certainement mercredi, jeudi, vendredi, samedi pour ces vidéos-là. Donc n'hésitez pas de mettre un peu, enfin pensez à mettre un petit pouce bleu parce que ça me fait toujours tellement plaisir. Dites-moi en commentaire lequel des looks vous avez préféré. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, c'est juste ici. Vous avez le lien en barre d'infos, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et vous abonner aussi si jamais vous venez d'arriver sur la chaîne. Et pareil, c'est totalement gratuit. Donc ça fait plaisir de voir le compteur monter petit à petit. Je remercie aussi toutes les personnes qui pensent à aller faire un petit tour sur mon Utip, à remplir mon panier de petites cacahuètes qui montent aussi tout doucement, mais qui montent. Je ne suis pas prête de m'offrir une Ferrari, hein, peut-être pour mes 101 ans, peut-être mes 110 ans, mais peut-être que d'ici un an, je pourrais peut-être acheter un nouvel appareil avant que celui-ci ne décède. Hein, je vous l'ai déjà dit, je garde les sous Utip pour acheter un nouveau réflexe avant que le mien ne me lâche. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis bisous.